think about yesterday. Your smile, your style so fly, my oh my. As time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous partager mon bilan de ma première année de PVT au Canada, à Toronto. Si jamais vous suivez ma chaîne depuis longtemps, depuis que j'étais au pair, parce que je vais vous dire, ça va vous rappeler des souvenirs. Je m'appelle Emma, j'ai 24 ans, je viens de La Réunion et je vis à Toronto depuis maintenant un an avec mon copain. On est arrivé en PVT en juillet 2022 et dans cette vidéo, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé pendant cette première année et je vais vous faire mon bilan. Je vais aborder les sujets de l'anglais, de l'immigration, des démarches administratives qu'on a dû faire en arrivant ici, des différences avec la France, avec les États-Unis que j'ai pu remarquer, de mes ressentis, de ce que je pense de ma vie aujourd'hui, de ce qu'elle était quand on est arrivé, de ce qu'elle est maintenant. Dans la barre d'infos de cette vidéo, je vais vous mettre toutes les informations que je pourrais trouver sur l'immigration au Canada et sur toutes les démarches administratives dont je vais parler. Je vous mets aussi les liens du site PVTIS pour que vous puissiez savoir à quoi ressemblent les démarches pour obtenir un PVT. Parce que je vais pas en parler dans cette vidéo, je vais juste vous parler de mon expérience depuis qu'on est arrivé ici en PVT, mais pas de l'obtention du PVT. Je vais aussi vous mettre les liens du blog et de la chaîne YouTube d'Astrid qui sont une mine d'informations pour l'immigration au Canada et en particulier à Toronto. Tous ces articles sont hyper complets et c'est grâce à ça que j'ai pu vivre ma vie, parce que sans ça je pense qu'on aurait été encore plus perdu pour l'été. Je vais mettre le plus de choses possible en barre d'infos pour que vous ayez toutes les ressources à disposition, mais faites vos recherches par vous-même. Là je vais juste vous partager mon expérience, ce que nous on a fait en arrivant ici. C'est pas des informations à prendre au pied de la lettre, donc vraiment faites vos recherches, mais voilà, je vous donne quand même quelques infos, peut-être que ça peut vous aider quand même, j'espère. Je commence du coup avec les démarches et ce à quoi ressemble ma vie pour que vous ayez une idée du contexte global. D'abord le travail. Je suis monteuse vidéo, mais comme vous l'avez vu dans une de mes vidéos précédentes, j'ai démissionné il y a pas longtemps. Si jamais vous êtes curieux et que vous voulez plus d'informations sur ça, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle en détail en barre d'infos, parce que j'ai pas envie de m'éterniser dans cette vidéo. Mais j'ai été monteuse vidéo, vidéaste, photographe et d'autres choses encore pour une marque de vêtements vintage à Scarborough, donc à 2 heures de Toronto, enfin non, à 2 heures de chez moi, mais à genre quelques minutes de Toronto, c'est vraiment juste à côté. En transport ça prend beaucoup plus longtemps, c'est pour ça que pour moi je mettais 2 heures. Mais du coup voilà, j'ai travaillé pour cette marque de vêtements vintage pendant un an presque, de août 2022 à juillet 2023, là mon dernier jour. Pour moi, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, c'est pas encore arrivé, mais ça sera le 14 juillet. Donc quasiment un an dans cette entreprise. J'avais filmé mon tout premier jour de travail, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en parle en barre d'infos. Et j'ai aussi filmé une semaine au travail pendant que je travaillais encore là-bas et que tout se passait encore bien. Je vous mettrai ça en barre d'infos si jamais vous voulez voir à quoi ressemblaient mes journées. Et surtout, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi j'ai démissionné, parce que voilà, il y a plein de choses dont je vais pas parler dans cette vidéo, mais qui sont importantes quand même à prendre en compte. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. En arrivant au Canada, on n'avait ni logement ni travail, donc on est arrivé, on s'est donné 3 semaines en Airbnb pour commencer à faire nos démarches administratives et rechercher un logement, un travail. Pendant ces 3 semaines là, on a refait nos CV, donc on les a mis aux normes canadiennes parce que c'est très différent des CV français. Par exemple, on met pas de photos sur les CV canadiens, mais je vous mettrai un article si j'en trouve un qui explique comment faire son CV aux normes canadiennes. On a refait nos CV, moi j'ai refait tout mon portfolio parce que je l'avais pas encore fait en anglais, et avec mon CV et mon portfolio, j'ai postulé sur LinkedIn, sur Indeed. Et je crois que c'est tout. Au tout début de mes recherches, je postulais un petit peu partout, même dans les jobs qui n'étaient pas vraiment dans ma branche, parce que je voulais un travail. Il fallait que j'ai un travail pour avoir un logement. Il fallait que je trouve quelque chose dans tous les cas. Ça s'est fait assez rapidement. Je crois que 3 semaines. En gros, ça a duré 3 semaines du moment où j'ai eu mon premier entretien avec eux jusqu'au moment où j'ai signé mon contrat et où j'ai eu mon premier jour de travail. C'était assez rapide, je trouve, en n'ayant aucune expérience canadienne. C'est aussi à prendre en compte. Normalement, là, j'ai pas de travail pour l'instant, du coup, mais quand je commencerai à en chercher un, ça devrait être plus facile vu que j'aurai déjà eu une expérience canadienne, j'espère. Mais du coup, là, j'avais juste mon CV, mon portfolio, et c'est les deux seules choses qu'il m'a demandé, avec mon PVT, une pièce d'identité. J'ai pas eu à fournir mes diplômes. Je vous explique brièvement ce que je faisais pour vous donner une idée de ce à quoi peut ressembler le travail au Canada, mais c'est pas du tout, enfin c'est pas une généralité quoi, c'est vraiment un cas particulier je pense. J'avais du coup l'équivalent d'un CDI, donc un contrat permanent à temps plein. Je travaillais 40 heures par semaine du lundi au vendredi de 10h à 18h. J'étais payé 3050$ par mois avec les transports inclus, donc les transports c'est l'équivalent de 120$ je dirais, et tout ça c'est sans taxes, donc 3050$ sans taxes avec les transports inclus. Donc sur mon compte évidemment c'était beaucoup moins à la fin, mais du coup ça me revenait à peu près à 2500$ par mois sur mon compte.
j'avais pas de bénéfices, donc les bénéfices au Canada c'est l'équivalent de la mutuelle, c'est ce qui est proposé aux employés qui sont en full time, donc normalement j'aurais dû avoir des bénéfices vu ma situation. Ça n'a pas été le cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai démissionné. Les bénéfices, ça couvre les frais de dentiste, d'ophtalmo, de kiné, enfin ce genre de choses. C'est proposé généralement à tous les employés qui sont en contrat permanent en full time. C'est ce qui est le plus commun, c'est très rare d'être dans mon cas et de pas avoir de bénéfices même en étant full time avec un contrat permanent. C'est la vie que j'ai pas décidé de mener, mais c'est comme ça. J'avais des sick days, alors c'est un peu flou parce qu'au début il m'avait dit que j'avais pas de sick days, et ensuite quand je lui ai demandé il m'a dit que j'en avais 10, ensuite j'ai regardé et je crois que j'avais le droit à 3. C'est un peu confus mais en gros j'ai utilisé un sick day en un an et là j'ai pas encore terminé mon contrat donc je sais pas, je crois qu'il est censé me payer les sick days que j'ai pas utilisé, je sais pas combien il me reste, je sais pas. Et j'avais pas de système de cumul, en gros j'avais le droit à 3 sick days par an et puis voilà, j'ai pas besoin d'attendre de travailler 3 mois pour les avoir, même s'il m'avait dit que je les avais pas, enfin je sais pas, c'était un peu bizarre, bref j'avais le droit à des sick days en tout cas. Pour les vacances j'avais le droit à 2 semaines de vacances après un an de travail chez eux, donc c'est à dire que pendant toute la première année j'ai eu 0 jour de vacances et à partir de la deuxième année j'aurai le droit à 2 semaines. C'est la norme au Canada, c'est 2 semaines de vacances, souvent les gens ont plus quand même, voilà c'est normal ici. J'ai eu quelques jours off dans l'année parce qu'il y a plein de jours fériés qui sont tombés pendant les week-ends. Il y avait Noël, Nouvel An qui sont tombés un week-end, la Canada Day s'est tombé un week-end, donc j'ai pu utiliser ces jours-là. Ça s'appelle des substitute holidays, c'est-à-dire que tu peux te déplacer, enfin en gros tu peux avoir un jour off n'importe quoi. Quand, enfin pas n'importe quand mais je crois qu'il y a un jour précis, mais moi je pouvais les mettre un petit peu plus ou moins quand je voulais. Donc voilà, j'ai pu avoir des jours off quand même dans l'année mais ça reste des holidays, donc c'est des jours qui m'étaient dus, j'ai pas eu de vacances en plus. Et ça c'est important de le demander, c'est un truc que je savais pas avant qu'une de mes amies me le dise. C'est hyper important de le savoir et de vous renseigner sur vos droits en tant qu'employé au Canada quand vous arrivez, parce qu'il y a des employeurs qui ne vont pas vous tenir au courant des normes. Moi il y a des amis qui me disaient fais gaffe, demande à ton boss d'avoir ce jour férié parce que c'est un jour férié, t'as le droit de le demander, c'est normal. Renseignez-vous bien, regardez tous les jours fériés qui existent, si ça tombe le week-end, vous avez le droit de demander un jour off en plus dans la semaine qui suit, dans les mois qui suivent, enfin vous arrangez après ensuite. Tout ça pour vous dire que j'ai eu quelques jours off quand même dans l'année, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et vraiment d'une main. Aussi pour vous donner quand même le contexte, on était une toute petite entreprise. J'étais la première employée full-time en contrat permanent depuis toujours. Je le précise parce que c'est aussi pour ça que j'avais pas le droit aux bénéfices, que j'avais seulement si peu de vacances. Même si ça n'excuse pas tout, ça joue quand même. C'est à prendre en considération, vous allez sûrement pas avoir une entreprise aussi petite que celle de... qui j'ai travaillé. J'ai aussi noté que je parlais exclusivement en anglais au travail. J'ai utilisé le français seulement une fois pour traduire quelque chose pour eux et parce qu'on avait lancé un compte TikTok francophone. Ça n'a pas duré très longtemps mais c'est les seules fois où j'ai dû utiliser le français dans mon job. Je vais vous parler très rapidement des démarches, enfin pas des démarches mais des papiers que j'ai dû donner à mon employeur pour pouvoir commencer à travailler. D'abord il y a le NAS, je vous en reparlerai après mais en gros c'est l'équivalent du numéro de sécurité sociale. Il a fallu que je lui donne ça pour commencer à travailler. J'ai dû lui donner mon PVT, une pièce d'identité. Ensuite lui il m'a envoyé s'appelle un TD1, c'est je vais vous regarder, c'est une déclaration des impôts personnels, je crois que ça, je vous mettrai de façon une définition sur l'écran ou en barre d'infos, mais en gros c'est un document que votre employeur vous envoie, que vous devez remplir et que vous devez lui rendre, c'est pour les taxes en gros. Et ensuite il m'a envoyé mon contrat que j'ai négocié un peu parce que j'avais un salaire encore plus bas que celui que j'avais, donc j'ai vraiment pas beaucoup négocié mais j'ai réussi à gratter un peu plus. J'ai pu négocier quelques clauses de mon contrat quand même, j'ai pu avoir par exemple le fait qu'il me paye les transports en commun, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça. Et c'est très commun au Canada de renégocier les salaires après quelques mois, il y a aussi des bonus, il y a les bénéfices, etc. Enfin il y a plein de choses qui sont très différentes de la France mais que j'ai pas trop connues donc je peux pas trop vous en parler. Et du coup bref voilà, c'est tout pour les démarches et tous les papiers que j'ai dû fournir et qu'il m'a envoyé lui. Voilà pour mon travail, je rentre pas plus dans les détails parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je vous mettrai en barre d'infos encore une fois si jamais ça vous intéresse. D'ailleurs si vous avez des questions que ce soit sur mon travail ou sur d'autres éléments de la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et peut-être que je ferai une vidéo complémentaire à cette vidéo là, à cette vidéo bilan pour vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez, dites-moi. Maintenant je vais vous parler du logement. On vit dans un appartement avec Romain, donc on est deux. On vit midtown, donc c'est-à-dire qu'on est dans Toronto, mais on n'est pas dans le centre-centre, on n'est pas downtown, on est midtown, donc un tout petit peu plus haut. Ça reste le centre-ville de Toronto, c'est juste que c'est pas vraiment le cœur même de la ville quoi. Quand vous allez commencer à chercher des appartements pour vivre à Toronto, même au Canada en général, vous allez voir qu'il y a des appartements et des condos. La différence entre les deux, après il y a d'autres choses encore, il y a des studios et tout, mais bon, entre les appartements et les condos, la grande différence c'est que dans les condos vous avez des amenities, c'est des structures qu'il y a en plus de votre appartement. Ça sera plus clair si je le fais comme ça. Quand vous louez un condo, donc vous louez l'appartement et vous êtes dans un grand building normalement, et dans ce grand building il y a très souvent des salles de sport, des piscines, j'ai entendu qu'il y avait des salles de musique, d'art, il y a des fois des terrains de tennis, de squash, de badminton, il y a des parcs à chiens, il y a des chambres que vous pouvez louer pour vos invités, il y a des salles de réception que vous pouvez louer également ou juste réserver, des salles de télé, il y a des barbecues, enfin il y a plein de choses en plus dans les condos, ça dépend vraiment selon les buildings.
cuisine ensuite. Mais c'est très commun en tout cas d'avoir par exemple une salle de sport et une piscine, c'est les deux choses les plus communes, et puis les salles de télé. Voilà, c'est la grande différence entre les appartements et les condos. Les condos, vous avez plein de choses en plus dans l'immeuble, et les appartements, c'est juste un appartement, tout simplement. Donc nous, on a un appartement qui est entièrement équipé, c'est très commun en Canada, et d'ailleurs je crois que c'est même plus que commun, c'est genre, c'est la norme, c'est comme ça. Nous, quand on est arrivé, c'était un appart non meublé, mais dans la cuisine, il y avait un frigo, un four, un micro-ondes, un lave-vaisselle. On n'a pas eu d'électroménager à acheter, et aussi on a le lave-linge et sèche-linge au sous-sol. C'est payant, donc on a une petite carte qu'on recharge pour pouvoir utiliser le lave-linge et le sèche-linge, et on ajoute nous-mêmes notre propre lessive, etc. Et c'est très commun d'avoir une laverie au sous-sol au Canada, même en France je crois que ça se fait quand même. Et dans notre appartement, je l'ai pas précisé, mais on a une chambre, une cuisine équipée, une salle de bain, on a deux grands placards, on a un petit placard dans la salle de bain aussi, un salon et une espèce de petite partie en plus du salon qui sert à pas grand chose mais qui est là. Il est assez petit, si vous me suiviez depuis que j'étais à Lyon, vous vous rendez compte que la taille de l'appartement a beaucoup réduit par rapport à ce qu'on avait là-bas. Et moi j'adore, franchement j'adore cet appartement, je vous en reparlerai plus tard dans mes ressentis, mais vraiment je suis trop contente de vivre là, autant au point de vue localisation que dans l'appartement même. Ce truc c'est qu'il n'y a pas de lumière et ça c'est très compliqué. D'ailleurs au Canada c'est très commun de partager des maisons, donc il y a des grandes maisons qui sont divisées par étage. Nous on voulait un appartement, l'idéal serait un condo et je pense qu'un jour on en aura un, on en louera un. J'espère, en tout cas c'est un de nos objectifs, c'est d'avoir une grande baie vitrée du sol au plafond. Moi j'aimerais trop, ça me donne trop envie, juste de la lumière et puis une belle vue. Parce que là je suis face à un mur de briques, c'est beau aussi, j'adore, mais c'est très sombre. Comme vous pouvez le voir. Autre chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a la possibilité de louer une place de parking en plus de notre prix du loyer. Et on peut aussi louer un box, donc un genre de cave. Même si c'est pas une cave, c'est genre une espèce de grille. Je sais pas comment dire, c'est genre une boîte. J'ai même pas vu la salle à quoi ça ressemble, mais en gros c'est possible d'avoir du stockage en plus. C'est ça que je veux dire. On paye 1 900 $ de loyer. À quelques dollars près, c'est plus ou moins ça. Et ça inclut toutes les charges. Donc dans le prix du loyer, on paye l'eau, l'électricité, le chauffage. Les seules choses qu'on paye en plus, c'est l'assurance et internet. Pour l'assurance, on a pris Sonnet Insurance, je crois que ça se dit comme ça, je sais plus, je vous mettrai en barre d'infos pour être sûr. Et on paye 30 $ par mois en tout. Et internet, on est chez Bell et on paye 60 $ par mois en tout aussi, du coup qu'on se divise à deux avec Romain. Pareil pour le loyer, on se divise en deux. Et c'est aussi un des gros avantages d'être venu en couple, c'est qu'on divise tout par deux quoi. Quand on vient seul, c'est beaucoup plus compliqué de se loger. Une des choses aussi qui justifie un peu ce prix de loyer, c'est qu'on est juste à côté d'un métro, on est à côté d'un supermarché, on est à côté d'une pharmacie, on est à côté de plein de fast-food, on est à côté d'un tram, on est à côté d'un bus, on est à côté d'une petite forêt, parc. Enfin vraiment, il est super bien placé cet appart, j'adore. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de partir, même s'il fait très sombre et que là, plus ça va aller, plus ça va être sombre la vidéo. Mais j'adore cet appartement. Et quand on commençait à faire nos recherches, c'était vraiment genre la perle rare, j'ai l'impression. C'est très cher par rapport au loyer qu'on peut s'imaginer en France, mais faut prendre en compte que c'est en dollars et que les loyers ici sont vraiment extrêmement chers, et que ça, pour ce qu'on a pour la surface, c'est vraiment, enfin ça va quoi. Pour un condo, vous pouvez rajouter 500 voire 1 000 $ de plus pour la même surface à peu près. Là c'est un peu compliqué parce que je me rappelle plus trop, et c'est Romain qui s'était principalement occupé de toutes les démarches pour le logement. On avait fait nos recherches sur rentals.ca pour trouver un appartement, et à partir de là je crois qu'on était allé voir directement sur les sites de l'agence qui était relié à l'annonce qu'on avait vue, et sur ce site là il y avait plus d'offres, donc c'est comme ça qu'on a trouvé notre logement. Et je crois que en tout, du moment, enfin à partir de la première visite jusqu'à la signature, il y a eu genre 3 semaines, un truc comme ça. Et ça a pris un peu de temps, des fois c'est beaucoup plus rapide. J'ai une copine, Soraya, si jamais tu regardes, la meuf elle a eu son appart en 3 jours. Pour vous donner une idée, en gros on est arrivé le 10 juillet 2022, j'ai commencé à travailler le 10 août 2022 et on a eu cet appartement là, je crois qu'on a reçu les clés genre le 15 septembre. Donc en gros 2 mois en tout pour avoir un travail et un logement. Autre chose, c'est qu'on n'a pas dû donner de caution, ça, il n'y a pas de caution ici, c'est pas comme en France. Par contre on a payé le premier et le dernier mois, donc on a payé, on est arrivé en septembre, on a payé le mois de septembre, on a payé le mois d'août qui aurait été le dernier mois de notre bail d'un an. On a continué de prolonger, donc en gros ce mois qu'on a payé, on le payera pas quand on décidera de partir, parce que ça reste le dernier mois. Et en plus de ça, on a payé 2 mois de loyer en plus parce qu'on n'avait pas de credit score. Le credit score, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure avec la carte de crédit, et comme on venait d'arriver, on n'en avait pas, donc on a dû payer 2 mois de loyer en avance. Donc là en juin et en juillet, on n'a pas payé le loyer parce qu'on les avait déjà payés quand on venait d'arriver. J'espère que c'est clair, je suis pas sûre. Au niveau des documents qu'on a dû fournir pour avoir cet appart, il y avait le contrat de travail. Moi j'avais un contrat de travail en full time permanent, etc. Donc ça a joué. Parce que Romain il n'en avait pas par exemple. C'est pour ça qu'on a dû payer 2 mois de loyer d'avance aussi pour... C'était une sécurité pour eux. PVT, pièce d'identité, et puis un document de la banque aussi, je crois, mais je me rappelle plus. Donc là, j'avoue, je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve, parce que je me rappelle pas. Voilà pour le logement, je crois que c'est tout ce que j'allais dire par rapport à ça. Et maintenant, je voudrais vous parler des autres démarches administratives qu'on a dû faire en arrivant ici. La toute première chose qu'on a faite en arrivant ici, et c'est la première chose que vous devez faire également en arrivant ici, c'est d'aller chercher votre numéro NAS ou SIN. Il vous faut absolument ce numéro-là pour pouvoir commencer à travailler. C'est ce que votre employeur va vous demander en premier. Et je crois qu'on nous le demande aussi pour la banque. Nous,
nous on y est allé dès qu'on est arrivé, genre un ou deux jours après. On a fait la queue pendant très longtemps, il y avait beaucoup de monde. C'est long mais c'est pas très compliqué, ils demandent pas grand chose comme papier, il vous faut le PVT, une pièce d'identité. Encore une fois, je vous mettrai les vraies infos en barre d'infos pour être sûr. Mais c'est un numéro qu'il vous faut absolument et c'est la première chose à cocher dans votre liste en arrivant au Canada, c'est votre numéro de sécurité sociale, enfin le NAT SIM. Ensuite au niveau de la banque, donc nous on est chez la NBC. C'est une banque qu'on avait trouvée sur le site des PVTs parce qu'il y avait une offre. En gros, je crois qu'on paye pas de frais bancaires pendant toute la première année. Par rapport à ça d'ailleurs, je vous conseille d'y aller en personne parce qu'on avait commencé à faire les démarches en ligne et ça avait mis 1000 ans. Si vous y allez en personne, vous demandez un rendez-vous, vous revenez après et vous avez votre rendez-vous, ça va beaucoup plus vite d'y aller pour de vrai. Et franchement, on est très content de cette banque, même si c'était un peu long les démarches au tout début. Les gens sont vraiment gentils, notre conseillère était super patiente, elle nous a tout expliqué, c'était très clair. Ça vraiment, c'était super. Et même l'application, franchement, ça joue dans mon appréciation d'une banque ou pas. C'est très intuitif, c'est très pratique, c'est très joli aussi. J'aime beaucoup cette banque. Je sais pas si c'est la meilleure, c'est la seule qu'on a testée, mais en tout cas, elle nous convient très bien. Le premier compte qu'on a ouvert dans cette banque, c'est un compte courant en gros et qui est relié à une carte de débit. Ensuite après moi j'ai ouvert un compte de savings, un savings account, comment ça s'appelle, c'est un compte d'épargne en gros. C'est juste pour mettre de l'argent de côté, il n'y a pas beaucoup d'intérêt tous les mois mais il y en a quand même un petit peu. Et en plus de ça il faut demander une carte de crédit. La carte de crédit, bon c'est un peu compliqué, je vous en ferai une vidéo dédiée sur toutes mes finances pour vous raconter, enfin pour vous expliquer vraiment comment ça marche et comment je l'utilise surtout. Mais quand vous arrivez, il faut essayer de comprendre le système de credit card et de credit score, c'est très important. Avec le credit score, vous pourrez louer un appart, etc. Au début, quand vous allez arriver, ils vont pas vous le demander parce que vous en aurez pas, mais il faut le construire au fur et à mesure. Et le credit score, en gros, ça prouve que vous êtes un bon payeur, donc que vous êtes responsable, en gros, que vous avez de l'argent et que vous savez l'utiliser. Il va aussi vous falloir une carte de crédit pour payer en ligne. Vous pouvez pas payer avec votre carte de débit, je pense que c'est évident pour tout le monde. Pour moi, ça l'était pas, je l'ai appris en arrivant ici. Donc, on a une carte de débit qui est reliée à notre compte courant sur lequel sont versés nos salaires. Ensuite j'ai un compte épargne sur lequel je me verse moi-même mes économies. Et ensuite j'ai ma carte de crédit que j'utilise pour faire mes dépenses tous les jours, toute la journée. Non, dès que je dépense quelque chose, j'utilise ma carte de crédit. Et ensuite je me fais un remboursement de mon compte courant sur ma carte de crédit. Et c'est comme ça que je tire à flot mes dépenses quoi. Je sais pas si c'était très clair, encore une fois, je vous en ferai une vidéo plus complète à ce sujet. Ensuite une autre démarche administrative qu'il a fallu qu'on fasse, c'est faire la demande de Health Card. La Health Card, en gros, c'est un genre de carte vitale. On est éligible quand on est en PVT à partir d'un certain mois, un certain nombre de mois de travail, je crois, je suis pas sûre de ça. Robin m'a dit qu'elle avait pas eu à travailler un certain nombre de mois, mais par contre pour pouvoir être éligible à la health card, il vous faut un contrat permanent en full time. Donc par exemple Romain lui il est en part time, il a un contrat permanent mais c'est en temps partiel, qu'il aurait pas pu faire la demande de health card sans moi. Moi du coup à l'époque on a fait la demande, j'avais un contrat permanent en full time, donc j'ai pu faire la demande pour moi et pour Romain relié. Pour ça je crois qu'on a juste dû donner nos PVT, notre preuve de logement, enfin pour prouver qu'on habite au Canada et à Toronto, pièce d'identité. Il demande aussi une employment letter, ça veut dire en gros c'est une lettre que vous allez demander à votre employeur ou à vos services de RH. En gros la lettre elle dit juste que vous travaillez bien pour cette entreprise depuis telle date en contrat permanent en full time, elle explique vite fait ce que vous faites et voilà c'est tout, c'est juste pour prouver que vous travaillez bien dans cette entreprise. Ça doit être tamponné par l'entreprise et je crois que c'est tout au niveau des papiers qu'on a dû donner pour avoir la health card. Au début on a juste un petit papier qui nous dit qu'on a la health card, donc si jamais on avait dû aller chez le médecin ou à l'hôpital on aurait juste dû à donner ça. Et plus tard on a reçu notre petite carte par la poste. Et du coup comme je viens de le dire vite fait, la health card elle permet d'aller chez le médecin et d'aller à l'hôpital gratuitement sans avoir rien à payer. J'ai pas encore eu à l'utiliser, ça fait quelques mois qu'on l'a, du coup en un an je suis jamais allée chez le médecin encore. Faudrait que j'y aille d'ailleurs, faudrait que je me fasse mon médecin de famille en gros, pas de médecin traitant. Et je crois qu'ici c'est famille et docteur ça s'appelle. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vous mettrai la vidéo d'Astrid qui a fait une vidéo dédiée sur tout le système de santé au Canada. C'est hyper hyper intéressant. Si jamais vous venez immigrer à Toronto, en Ontario, regardez cette vidéo, c'est une mine d'informations. Je l'ai regardée au moins 3 fois. Je vous la mettrai en barre d'infos. Autre chose que j'ai pas noté sur ma liste mais à laquelle je viens de penser là, c'est qu'on a dû faire nos taxes en début d'année. Franchement c'était assez compliqué et je suis toujours pas arrivée au bout de cette démarche alors que ça fait 6 mois, 7 mois là qu'on est en 2023. Je vous en reparlerai sûrement quand j'aurai reçu mon retour de taxes. Mais en gros, on a dû remplir un formulaire sur un site. Donc on a utilisé Wealthsimple et Romain, je crois qu'il a utilisé HR Block, je crois, je me rappelle plus, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et pour pouvoir remplir ce formulaire, il faut que vous demandiez à votre employeur, ou il va vous l'envoyer directement sans que vous ayez à demander sûrement, le T4, donc c'est un document qui va vous permettre de remplir votre déclaration d'impôt, en gros c'est ça. C'est un peu compliqué, je vous en reparlerai quand toutes les démarches seront finies parce que je suis encore dedans et j'ai pas envie de vous donner des informations fausses. Je vous mettrai des ressources en barre d'infos qui pourraient éventuellement vous aider à faire votre déclaration de taxes quand ça sera le moment. Et ma caméra surchauffe donc je fais une petite pause, je reviens. Toujours dans les démarches administratives, là je vais vous parler des choses que j'ai pas encore faites et qu'il faut que je fasse et qui sont sur ma liste. Il y a l'échange de permis de conduire. Pour ça je crois que c'est genre 100 ou 80 $, je me rappelle plus, peut-être que je me trompe, je vous mettrai encore une fois les informations exactes en barre d'infos. Et pour ça il faut
faut que vous emmeniez, je crois, votre PVT, votre pièce d'identité, donc votre permis de conduire français. Il faut un document de la préfecture française aussi qui est... on peut faire la demande en ligne, très rapide, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Et normalement, vous l'avez genre 3 jours après, 2 jours après, quelque chose comme ça. Mais il vous faut ce document pour faire votre demande d'échange de permis. Et vous vous prendre votre permis français en échange d'un permis canadien. Et ils vous le rendront pas. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui sont confus à chaque fois que je dis ça. Mais en gros, vous donnez votre permis et vous lui dites adieu, quoi. C'est fini. De toute façon, même si vous retournez en France, vous pourrez quand même conduire avec un permis canadien. Mais par contre, vous pourrez conduire avec un permis français au Canada seulement pendant les 3 premiers mois depuis votre arrivée. Voilà, c'est une démarche que j'ai pas encore faite. Romain a déjà son permis canadien. Et d'ailleurs, le permis canadien vous sert aussi de pièce d'identité. Il faut que je le fasse. J'ai pas encore fait, mais c'est pas urgent pour l'instant. J'ai pas eu besoin de faire mon permis. J'ai pas eu besoin d'utiliser, mais je pense qu'il va falloir que je le fasse bientôt quand même. Autre chose que j'ai pas fait, c'est changer de forfait de téléphone parce que j'utilise encore mon forfait free que je paye 20€ par mois. Ce qui est vraiment pas cher du tout par rapport aux prix qui sont pratiqués ici parce que tenez-vous bien, Romain paye 60$ son téléphone et je crois qu'il a genre 20 gigas d'internet. Si vous êtes chez Free, sachez que ça marche au Canada. Je crois qu'il y a des histoires de téléphone bloqué ou je sais pas quoi, mais pour l'instant ça fait un an que je suis là, ça fait un an que j'utilise mon forfait free. Tout va bien, tout se passe bien. Le seul truc c'est que du coup je peux pas appeler, je peux pas envoyer de texto, mais j'utilise WhatsApp et j'utilise internet. Et si jamais j'ai besoin d'appeler, j'ai le téléphone de Romain. Si jamais j'ai besoin de donner mon numéro de téléphone pour des démarches administratives, je donne celui de Romain. Si vous venez seul, vous aurez sûrement besoin d'un numéro canadien, mais je crois qu'il y a des services qui vous permettent de générer un faux, enfin pas un faux numéro, mais un numéro pour votre téléphone français. Je sais plus, je me suis pas trop renseignée, j'avoue, parce que c'est une démarche que j'ai pas faite, que j'ai pas eu à faire. Et la dernière démarche administrative qui me reste à faire pendant mon PVT, c'est faire mes démarches de RP, donc de résidence permanente. J'ai pas du tout commencé, je sais plus ou moins ce dont j'aurai besoin, et je sais qu'il faut que j'ai travaillé un an complet au Canada pour pouvoir faire la demande, ce qui n'est pas encore le cas, puisque j'ai arrêté mon contrat 3 semaines avant que ça fasse un an. Donc il va falloir que je fasse encore 3 semaines de travail en full time ou alors un mois et demi en part time. Pour l'instant je ne me suis pas encore trop inquiétée, il va falloir que je le fasse bientôt parce que le PVT ça ne dure que 2 ans et l'ARP ça vous rallonge votre possibilité de rester sur le territoire pendant 5 ans. C'est super, c'est la prochaine étape et après l'ARP je pense qu'on demandera la citoyenneté pour arriver au bout de notre parcours d'immigration parce qu'on a envie de rester là longtemps. C'est tout pour la partie démarche, j'espère que ça vous aura quand même été utile même s'il y a des informations dont je ne suis pas forcément à 100% sûre. C'est pour ça, vérifiez bien la barre d'infos et vérifiez bien le site du gouvernement du Canada, c'est là que vous aurez les informations les plus sûres et les plus actuelles. Maintenant on va passer à la partie un petit peu moins formelle et je vais vous parler de mes ressentis sur différents sujets de la vie au Canada et de l'immigration ici. Je commence par l'anglais. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais j'ai été au pair au Canada, aux États-Unis pendant un an, quand j'avais 18 ans, entre 18 et 19 ans. Donc j'ai appris l'anglais aux États-Unis à Charlotte en Caroline du Nord quand j'étais au pair. En arrivant ici, c'était pas mon objectif d'apprendre l'anglais, je voulais juste, enfin on avait choisi Toronto et l'Ontario parce que c'était une province anglophone, on voulait parler anglais, mais on n'avait pas besoin d'apprendre l'anglais, on sait déjà parler anglais. On parle pas anglais parfaitement, moi je m'améliore petit à petit, mais c'est très très discret comme amélioration, parce que vu que j'ai déjà un assez bon niveau, je m'améliore tout doucement. Romain qui arrive avec un niveau plus bas que le mien, s'est amélioré très vite par contre. Ce qui fait que je m'améliore pas autant que quand j'étais aux États-Unis, c'est déjà bon, j'ai un assez bon niveau d'origine, mais je suis pas du tout en immersion totale. On parle français avec Romain, la plupart de nos amis sont français. Je parle anglais tous les jours, mais je parle pas anglais toute la journée, et c'est pas suffisant pour apprendre une langue et pour s'améliorer vraiment drastiquement. Je suis assez contente en vrai de mon niveau d'anglais. Si jamais vous voulez m'entendre parler anglais, il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je parle anglais du début à la fin. C'est un vlog, il se passe pas grand chose, mais je vous véhicule mes insécurités par rapport à mon accent, etc. D'ailleurs j'ai remarqué que ma voix quand je parle anglais, avant était très aiguë et maintenant elle est moins, j'ai réussi à un petit peu réguler même si ça reste quand même plus aiguë que ma voix en français. Je suis malheureusement toujours complexée de mon accent, mais franchement la vidéo de les publier sur ma chaîne en anglais, ça m'a beaucoup aidé à me... comment dire, à oser parler plus à des français, parce que c'est ça qui me gênait plus, parler à des gens comme ça avec mon accent anglais et français, ça me dérange pas, mais parler anglais devant des français ça me gêne toujours encore un peu, beaucoup moins depuis que j'ai sorti cette vidéo. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, je vous jure, c'était cathartique. Quelque chose que j'avais remarqué quand j'étais à Charlotte et qui s'est confirmé en arrivant ici, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en anglais quand je parle à mon boss. Quand j'étais à Charlotte, je parlais très mal anglais à mes hosts parce que c'était mes boss. Je voulais tellement bien faire, je voulais tellement parler parfaitement, je voulais tellement éviter les erreurs, les maladresses. Je me bloquais moi-même et je galérais à trouver mes mots, je faisais des erreurs de prononciation et même des erreurs de sens. Donc quand je leur parlais à eux, je parlais hyper mal, mais par contre j'arrivais très très bien à m'exprimer beaucoup de manière beaucoup plus fluide avec n'importe qui d'autre. Et là du coup c'est pareil avec mon boss, quand je parle à lui, je sais pas, je suis bloquée, j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire aussi fluidement que quand je parle en anglais à quelqu'un d'autre. Et quand mes hosts sont venus me rendre visite, du coup ils étaient plus mes boss et j'avais beaucoup plus de facilité à m'exprimer avec eux. C'est quelque chose qui est resté du coup malgré toutes ces années d'apprentissage de l'anglais, j'ai toujours du mal à m'exprimer quand je suis stressée, mais ça c'est normal, c'est pareil en français aussi en vrai. Mais par rapport à l'anglais, j'ai pas grand chose à dire parce que j'ai pas remarqué d'énormes améliorations, même si maintenant c'est beaucoup plus
plus fluide et j'ai toujours le réflexe de parler en anglais. D'ailleurs, quand on est allé à Montréal, c'était vraiment trop bizarre de parler français et d'entendre que du français et de pas du tout entendre parler d'anglais. Je sais pas si mon vlog à Montréal sera sorti avant ou après cette vidéo, mais on en parle dans cette vidéo là. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai en barre d'infos quand elle sera sortie. Et c'est tout pour l'anglais, je crois. C'est juste que bah, j'aime trop cette langue et je suis trop contente de vivre à Toronto et dans une province anglophone pour pouvoir parler anglais tous les jours. J'adore cette langue et j'adore continuer de l'apprendre et de l'analyser. J'apprends encore des mots, peut-être pas tous les jours, mais quand même très régulièrement. Et je sens que je m'améliore quand même sur la prononciation en vrai. Même si c'est pas flagrant, si je prends mon niveau quand je suis arrivée ici, même si je parlais déjà bien anglais, et mon niveau aujourd'hui, il y a quand même une amélioration, et heureusement j'ai envie de dire. Ensuite au niveau des voyages, on n'a pas beaucoup bougé depuis qu'on est arrivé ici parce que pour des raisons financières et puis même j'avais pas de vacances. Donc on a seulement fait un road trip au Québec et c'était génial, j'ai adoré. C'est une province qui est magnifique, on a exploré quelques endroits, pas beaucoup, pas assez à mon goût et il y a encore plein de choses à découvrir là-bas. Mais c'est vraiment sublime et j'ai adoré le Québec parce qu'il y a aussi du relief par rapport à l'Ontario qui est vraiment très plat. En Ontario on n'a pas vu grand chose, enfin en tout cas moi j'ai pas vu grand chose, on est allé au chute Niagara, on est allé à Bruce Peninsula qui est à quelques heures de Toronto, je crois à 3 heures au nord. Ça c'était super aussi et c'est une très belle région de l'Ontario, j'ai adoré. Là en août il y a ma soeur qui vient nous rendre visite, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'aller aux États-Unis parce que j'en rêve depuis que je suis arrivée, j'ai trop envie d'aller aux États-Unis. C'est pas un voyage au Canada donc ça n'a pas vraiment trop de rapport avec le PVT mais on est quand même à la frontière donc j'ai trop hâte d'aller voir autre chose et de retourner aux États-Unis. Là ça c'est... je sais pas. Je boue là, j'ai trop envie. Et pour les voyages, c'est tout. Quand j'étais au pair, j'avais tellement plus de choses à dire. Chaque mois, j'avais un voyage prévu. Là, j'ai pas beaucoup voyagé du coup de toute l'année. Mais c'est pas grave, ça arrivera quand j'aurai de l'argent, ça arrivera quand j'aurai du temps. Maintenant, pour la vie sociale, alors ça n'a rien à voir avec quand j'étais au pair, même à Lyon. Franchement, à Lyon, à part Émilie, j'avais pas trop d'amis proches que je voyais de temps en temps quoi. C'était très rare que je vois des gens. J'adorais rester chez moi tous les week-ends et tout, mais ici je ne peux pas rester chez moi le week-end. C'est vraiment super rare que je reste chez moi tout un week-end. J'ai toujours des trucs de prévu et si je ne sors pas, c'est des gens qui viennent. Donc ma vie sociale va super bien depuis qu'on est arrivé au Canada. Beaucoup mieux qu'en France, beaucoup mieux qu'à Charlotte. Franchement, je suis trop contente de la vie que je me suis construite ici avec les personnes que j'ai rencontrées. J'ai rencontré que des gens trop bien et je suis tellement contente de les avoir croisés. Et ça aurait pas été le cas si on avait été restés chacun dans nos régions en France. La plupart des gens que j'ai rencontrés à Toronto sont des gens que j'ai rencontrés grâce à YouTube, grâce à Instagram. Ça me fait trop plaisir. Il y a des gens avec qui je suis amie qui regardaient ma chaîne avant. Et il y a des gens dont je regardais les vidéos et avec qui je suis amie maintenant. Et c'est fou pour moi de dire ça parce qu'à Lyon, vraiment, je me considérais comme étant asociale. J'avais quelques amis, mais vite fait, que je voyais rarement. Il y avait genre une personne que j'aimais bien à Charlotte, c'est avec qui j'ai encore contact et qui vit au Canada et qui va peut-être d'ailleurs venir vivre à Toronto. À part elle, à Charlotte, j'ai rencontré très peu de gens et je suis restée un an aussi. Et là, mon cercle s'élargit de plus en plus et il continue de s'élargir et je continue de rencontrer des gens, principalement, voire exclusivement des francophones par contre, et ça c'est mon seul, enfin j'allais dire c'est mon seul regret, c'est pas du tout un regret, c'est la chose sur laquelle j'aimerais travailler dans l'année qui arrive, j'aimerais rencontrer plus de Canadiens ou en tout cas plus d'anglophones, parce que c'est aussi comme ça que je vais pouvoir en apprendre plus sur le pays, sur la culture, sur les gens, sur la langue. J'ai besoin de m'enrichir un petit peu plus à ce sujet là parce que rester entre français ça n'a pas trop de sens quand on vient s'expatrier, même si ça me fait toujours plaisir de rencontrer des français, c'est juste rencontrer des gens, c'est trop bien, mais si je pouvais rencontrer un petit peu plus de Canadiens ou d'autres nationalités, ça me ferait plaisir quand même. Tout ça pour dire que je suis vraiment très contente de ma vie sociale ici, que j'ai toujours un truc à faire le week-end et ça me fait trop plaisir, même la semaine, enfin c'est trop bien, je me suis vraiment construit un petit cercle ici et j'adore. Petit mot rapide sur le coût de la vie, même si j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, dans laquelle je vous partage toutes mes dépenses sur une semaine à Toronto et que je pense refaire bientôt cet été pour avoir une comparaison entre l'hiver et l'été. Mais tout ça pour dire que Toronto c'est cher, c'est extrêmement cher. J'y attendais un petit peu en arrivant mais on s'attendait pas à ce que ça soit si énorme la différence de prix. Tout est extrêmement cher, autant les logements, les transports, les prix dans les magasins, c'est vraiment super cher. Avec le travail que j'avais, franchement, je vivais bien. J'ai fait calcul parce que depuis que j'ai démissionné, je suis un petit peu plus mes dépenses et mes comptes. En gros, il me faut 2000$ pour vivre et je vis en couple. Donc on se partage un loyer. J'ai 1000$ de frais fixes et ensuite j'ai 1000$ sur lesquels je peux vivre, donc faire les courses, m'acheter, enfin payer mes transports. Il y a toujours des trucs à payer de toute façon, genre on a encore besoin de meubler l'appartement, il manque des choses, c'est pas urgent là pour l'instant, je vais pas racheter des meubles dans les mois à venir. Avec 2000$ par mois, c'est pas le grand luxe, mais on peut vivre quand même très confortablement, franchement. De toute façon, plus on a d'argent, mieux c'est, hein, j'ai envie de dire. Mais avec 2000$, c'est bien quand même. Et je dis 2000$, mais j'en gagne 2500, donc j'arrive à mettre de côté quand même 500$ par mois à peu près. Enfin, je vais plutôt parler au passé parce que là ce sera plus possible, mais bref, c'est juste à prendre en compte si jamais vous préparez votre immigration, sachez que la vie est chère, vraiment. Ensuite le climat, les températures, l'hiver, c'est une question qu'on me pose souvent quand même ou qu'on m'a beaucoup posé cet hiver. Franchement ça va, on s'attendait à pire, vraiment, quand on parlait de l'hiver canadien, je m'attendais à être...
frigorifier du matin au soir. Il suffit de bien s'équiper, donc il faut s'acheter un manteau qui résiste au froid canadien quand même, donc un manteau qui vous serre les poignets avec une capuche, avec des poches rembourrées, enfin avec de la moumoute un peu, enfin de la polaire, que ça soit étanche pour que ça supporte la neige, et voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Je vous mettrai encore une fois une vidéo d'Astrid qui vous explique comment choisir votre manteau pour survivre à l'hiver canadien, ça m'a beaucoup été utile. Moi je me suis acheté un manteau que j'ai mis tout l'hiver. L'hiver franchement c'était supportable parce qu'on est beaucoup plus équipé. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de mal les 4 années où j'ai vécu à Lyon à supporter l'hiver. Franchement ici c'est doux, un peu il fait froid mais il y a de la neige donc ça vaut le coup qu'il fasse froid quoi. Donc franchement j'ai préféré largement l'hiver ici qu'à Lyon, même si le seul défaut que je pourrais lui trouver c'est qu'il est très long. Mais quand je vous dis long, c'est genre de novembre à avril, c'est l'hiver. On a eu je crois genre deux vagues de froid cet hiver où il a fait moins 20 mais pas beaucoup plus, franchement c'était supportable. Il a fait froid mais il suffit de s'habiller correctement et tout va bien quoi. De toute façon t'es pas dehors sans arrêt, après voilà je précise que j'étais pas dehors toute la journée non plus, j'étais dehors seulement pour aller de chez moi au métro ou au tram et ensuite j'ai travaillé à l'intérieur aussi toute la journée. C'est juste pour sortir quelques minutes, quelques heures mais ça va franchement. Et l'été par contre est très chaud aussi, là on a eu des vagues de chaleur, c'était insoutenable, on a trouvé un ventilateur Dyson dans la rue, ça nous a sauvé franchement, sans ça on aurait dû en acheter un de toute façon parce que c'était invivable, c'est invivable sans ventilateur. Donc l'hiver il fait très froid, l'hiver dure très longtemps, l'été il fait très chaud mais franchement je profite de chaque seconde, de chaque rayon de soleil parce que je sais que ça dure pas longtemps. Et je sais à quel point ça me manque l'hiver quand il n'y en a pas. Parce qu'il a fait vraiment très très moche tout le mois de janvier, je crois qu'on a eu genre 3 jours de soleil. Mais apparemment c'est exceptionnel et normalement les hivers d'avant et les hivers suivants, il est censé faire un peu plus froid mais aussi un peu plus beau. C'est tout pour la partie un petit peu ressentie par rapport à notre première année de PVT au Canada. Je dis notre mais je vous ai parlé de la mienne mais Romain c'est à peu près la même chose aussi en vrai. Et maintenant j'aimerais juste vous faire un petit bilan global de ce que j'ai pensé de cette première année de PVT. Déjà je tiens à dire que quand on est arrivé c'était un enfer. Vraiment le mot qui qualifie notre arrivée au Canada c'est enfer, c'était horrible vraiment je vous jure, c'était du stress du matin au soir, toute la journée, tous les jours. En arrivant on avait loué un Airbnb pendant 3 semaines en se disant que pendant ces 3 semaines là on aurait trouvé un travail, un logement et ça a duré plus longtemps que ça au final, du coup on a dû s'ouvrir des appartements à des gens qu'on connaissait pas, ça à la limite c'est pas très grave mais ça nous a coûté beaucoup d'argent et ça nous a coûté beaucoup beaucoup de stress. Les premiers jours, premières semaines on désespérait, on envoyait demande sur demande, enfin on postulait partout à tout et n'importe quoi et on n'arrivait pas à se projeter aussi, c'est ça qui était super dur, c'est qu'on savait pas où on allait vivre, on savait pas où on allait travailler, on connaissait pas l'endroit, on connaissait pas la ville, on connaissait pas le pays, on connaissait personne. On arrivait tous les deux avec nos 4 valises et on était jetés dans le grand bain quoi. C'était à nous de nous débrouiller, on connaissait personne au Canada, personne de notre famille n'avait vécu là. On a dû tout faire de A à Z tout seul et franchement c'était un enfer. Moi je vous jure, je suis pas phobique, je pense que c'est un mot un peu trop fort pour ce que c'est, mais je déteste l'administratif. Mais quand on n'aime pas l'administratif et qu'on décide d'immigrer, c'est un choc. Je savais à quoi m'attendre, c'est pas la première fois que je pars à l'étranger, j'ai dû faire ça aussi quand j'étais au père et c'était aussi très dur. Mais j'atterrissais dans une famille, j'avais un toit sur ma tête, j'avais une chambre, j'avais un travail, enfin il n'y avait pas de problème. Là il a fallu qu'on trouve tout de A à Z, on arrivait les mains dans les poches, on était très mal préparés, tant financièrement que mentalement. On avait un peu d'argent de côté bien sûr pour remeubler l'appartement, etc. Mais on n'avait pas non plus des milliers de cents pour pouvoir vivre ou juste faire tourner un appartement. Donc c'était du stress tous les jours, toute la journée. Je suis tombée malade de stress pendant 3 jours, je ne pouvais pas sortir du lit, j'avais des nausées, j'avais des vertiges. C'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous vous prépariez à vivre ce qu'on a vécu parce qu'on était mal préparé, c'est pour ça qu'on l'a si mal vécu. Mais c'est aussi pour vous dire que même si le début est difficile, ça vaut le coup de s'accrocher et de persévérer pour pouvoir obtenir la vie dont vous rêvez quand vous décidez de vous expatrier. Je suis tellement contente de ne pas avoir lâché l'affaire et de ne pas avoir eu recours à mes différents plans A, plan B, plan C. Donc préparez-vous financièrement, préparez-vous mentalement. Parce que nous, on n'arrêtait pas de nous dire qu'en 2 semaines, on pouvait trouver appart et lol et travail. Des fois c'est juste de la chance et franchement c'est trop bien pour les gens à qui ça arrive et c'est, je sais que ça arrive, il y a des expériences qui sont vraiment comme ça où en moins de 2 semaines les gens ont trouvé appart et logement, appart et travail, j'ai du mal à le dire. Il y a des gens encore mieux qui arrivent avec déjà l'appart et le logement et ça c'est trop bien et ça vous enlève une épine du pied, ça vous enlève un poids des épaules, franchement faites ça, préparez-vous au maximum et je vous dis à quel point ça a été horrible pour que vous vous prépariez et aussi pour que vous sachiez à quel point ça peut s'améliorer. Et franchement je suis trop contente de la vie qu'on s'est construit ici parce que j'adore chaque jour que la vie m'offre quoi. Même si j'aimais pas mon travail et tout, même si j'ai eu des soucis et que chaque jour n'était pas du pur bonheur, chaque minute de chaque journée n'était pas du pur bonheur, j'étais quand même trop contente de me réveiller chaque jour dans mon lit, dans mon appart à Toronto avec Romain. C'est vraiment, c'est comment dire, on a tout construit de A à Z, on est reparti de zéro et on a tout bâti à partir de rien. Malgré les doutes, malgré les insécurités, malgré les peurs qu'on avait, on a on
on s'est accroché et on a réussi à s'offrir la vie qu'on voulait quoi. Il y a encore du chemin à parcourir évidemment parce qu'on a, j'ai pas encore le job de mes rêves, j'ai pas encore le salaire de mes rêves aussi, c'est important. C'est pas le plus important mais la sécurité financière ça enlève un poids des épaules mais tellement lourd. Je vous jure à partir du moment où j'avais un travail et un toit sur ma tête, je dormais tellement mieux. Et donc oui voilà, comme je vous dis, il y a encore du chemin à parcourir et on cherche toujours à avoir mieux que ce qu'on a, mais c'est super important de se poser et de se rendre compte de ce qu'on a déjà. Et je suis trop contente d'avoir persévéré, d'avoir lutté contre mes peurs, d'avoir lutté contre mes angoisses émotionnellement en fait. C'était pas ce qu'on vivait, c'était pas horrible, genre il y a pire dans la vie, évidemment je le sais, même au niveau de la santé, de financièrement et tout, il y a pire. Mais dans le ressenti qu'on avait vraiment, c'est une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre de ma vie franchement. Parce que en plus j'ai quitté ma famille etc à un moment où c'était compliqué, vraiment. Mais malgré ça j'ai réussi à m'accrocher et à m'offrir la vie dont je rêvais en Amérique du Nord, au Canada, à Toronto. Et je suis tellement contente de vivre ici, je suis tombée amoureuse de la ville, elle est à mes yeux presque parfaite. J'adore vivre ici, j'aurais envie de changer pour rien au monde. Pour l'instant je me vois pas vivre ailleurs parce que vraiment j'aime profondément la ville et j'aime profondément le pays. Et ça fait seulement un an qu'on est là mais j'espère qu'on restera encore des années parce que je vous jure je m'y sens bien. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans nulle part ailleurs. Et le seul truc qui me pince un peu le cœur c'est que je suis hyper loin de ma famille qui vit à La Réunion. Ma voix tremble un peu là. J'habite hyper loin de ma famille et c'est vraiment la seule chose qui ne va pas. Enfin qui ne va pas. Ça va en vrai hein. J'y pense pas tous les jours non plus, c'est pas horrible à vivre. C'est juste que si ma famille était là, ma vie serait parfaite. Vous l'aurez compris, je suis vraiment super contente de ma première année en PVT au Canada à Toronto. C'est passé tellement de choses en un an, vraiment c'est fou je trouve. J'ai l'impression qu'on est arrivé il y a super longtemps, mais en même temps que le temps est passé super vite. Et j'aimerais vraiment à travers cette vidéo, même si le début était un peu boring parce que je vous ai parlé de toutes les démarches administratives, etc. J'espère que ça pourra vous donner l'impulsion de réaliser vos rêves. Parce que c'est ça, franchement, moi je rêvais de vivre en Amérique du Nord, je rêvais de vivre au Canada, je rêvais de vivre à Toronto. Et je suis trop contente de pouvoir dire que aujourd'hui je vis mon rêve. Presque, ça peut encore être mieux et ça pourra toujours être mieux, mais je suis tellement contente du chemin que j'ai parcouru et même je suis contente du chemin qu'il me reste à parcourir. Je suis trop contente d'être ici, je suis trop contente de vivre ce que j'ai vécu, je suis trop contente de m'être démenée pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir dû traverser toutes ces épreuves là aussi parce que ça m'a aidée et ça va m'aider plus tard, ça m'a rendu plus forte j'en suis sûre. Et voilà, je suis trop contente, c'est tout ce que j'ai à dire je crois pour cette vidéo en vrai. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dont vous pourrez avoir besoin pour votre immigration au Canada, pour que ce soit un PVT ou une résidence permanente. Je vais essayer de faire en sorte que la barre d'infos soit la plus complète possible pour que vous ayez accès à toutes les ressources en un clic. Encore une fois, je vous mets les liens de la chaîne et du blog d'inscrit dans barre d'infos parce que c'est une mine d'informations. Et je vous mets aussi son compte Instagram si jamais vous voulez aller la suivre. Je répète aussi, je vous mets le lien vers le tuto PVTiste pour obtenir un PVT parce que j'en ai pas du tout parlé dans cette vidéo. Ils le feront beaucoup mieux que moi, je vois pas ce que je pourrais vous apporter par rapport à ça. Mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais cette vidéo vous a plu, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne parce que je partage quand même pas mal de choses par rapport au Canada, mais pas que, je parle de plein de trucs en vrai. Donc regardez bien si jamais ça peut vous intéresser, c'est pas sûr. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et pareil pour Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos sur l'écran. Vous devez voir pour cette vidéo, c'est de vous dire si vous avez déjà fait un PVT, si oui dans quel pays et pendant combien de temps, est-ce que vous vivez actuellement au Canada ou si vous avez l'intention de venir y vivre bientôt, sous quel visa, statut, permis, dites-moi, ça m'intéresserait de savoir. Dites-moi aussi si jamais vous êtes au Canada depuis combien de temps vous habitez ici et où est-ce que vous habitez, dans quelle ville, dans quelle province. Parlez-moi de vos expériences à l'étranger, que ce soit pour une longue ou une courte durée, ça m'intéresse toujours d'avoir les parcours d'immigration des gens et même les parcours de vie au final. Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai trop hâte qu'on en discute, que ce soit en commentaire ou en message Insta d'ailleurs, je réponds à tout et à tout le monde tout le temps. Des fois je mets un peu du temps à répondre aux commentaires, donc si vous voulez répondre rapide, envoyez-moi un DM sur Insta. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai avec plaisir vraiment du mieux que je peux. J'aurai peut-être pas réponse à tout, mais je ferai de mon mieux pour vous aider au maximum. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura intéressé et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine normalement pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore quoi. Bisous.